Porte de la muette. J'ai ma soeur là. Et tu as dit que tu allais m'offrir Kiko. Ouais, mon Kiko qui est fini. Que tu travailles à. Où ça? À la gare du Nord. Ouais. Que j'ai besoin de rouge à lèvres. Ah, ma soeur, Fouda, c'est comment? Tu connais toi, non? Comme ça, comme je suis dehors là, je viens prendre les rouges à lèvres. Je viens prendre les rouges à lèvres. Du frinois. Connais-toi, pardon. Si tu n'es pas là, tu me dis, je ne viens pas. Sinon, moi, je ne peux pas venir là-bas si tu n'es pas là. Ouais, ma soeur. Mais parlez, non. Tu as besoin qu'il peut me mettre les cœurs là. Tiens. Allez, je t'amande, je sais, je n'ai plus regardé mes choses. Hein. Tribaliste, va. Longchamp. Ouais, elle s'appelait comment là? On m'a dit non. Elle m'a invité que je ne parle pas mes choses là-bas chez elle. Et je ne veux pas aller là-bas chez moi, tu n'es pas là, tu vas faire comment? Hein? Moi, il va rentrer chez moi. Et à finir l'ambassade. Oh, ma soeur est où? Je mange des poulets, moi. Bonjour. D'accord. Porte Dauphine. Un arrêt porte-maillot, prochain arrêt porte-maillot. Donc je vous supplie pour mettre les cœurs dans ma page. Je dois vous supplier. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé là-bas à l'ambassade. On a envoyé un conseiller, vous allez me voir dehors. On m'a tout dit, c'est fou. Ben oui, c'est ce que vous croyez. Vous êtes là. Quand on tape les gens ici, là, vous êtes au bout, vous nous parlez quand on tape les gens. Et celui qu'on tape en bas, que ça sort que ça justifie. On tape pas par rapport à quoi? Donc, c'est Bamiké qui a fait quelque chose de mal, on ne doit pas le taper.
Maman, on t'a bien dosé. Oh, ah. C'est bon. C'est sucré à moi jusqu'à. En tout cas, ça s'est bien passé. Ma chérie, Fouda, je ne sais pas là où tu es. On devait se voir pour me donner le où j'allais venir. Là, je suis dans la maison. Là, je n'ai pas mangé depuis le matin. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Moi, je suis dur. Hein. Je suis dur. Une petite chienne comme ça. René Stanley me parle. Tu vois, quand on dit que les femmes parlent, tu peux parler aussi. Hein? Vous vous ouvrez toujours vos bouches. Hein? Ta fille te parle. Ta fille te parle. Ta fille te prend pour une prostituée. René Stanley, j'étais là. Ta fille avait honte de toi, mes enfants ont honte de moi. Mes enfants et moi, là, souvent des petites discussions, oui. Mais ça ne me concerne pas ce genre de choses. J'étais là-bas. Hein. Moi, je m'en vais pour aller au date. Tu vois, tu me proposes que la chambre d'hôtel là que j'étais pris là, tu peux faire le. Maman, ils sont là encore. Et... Moi, le contrôle, un contrôle aujourd'hui en France. Hein. Ne sortez pas les sans-papiers, ne sortez pas où. Les sans-papiers, ne sortez pas. L'histoire là qu'on commence à pour dire que machin fait ceci, il y a un problème en France. Ne sortez pas, c'est moi qui vous dis. Les sans-papiers ne sortez pas parce qu'il y a un problème là. Il y a même là où on contrôle les gens ici. Là où on contrôle les gens. Et voilà, là, moi aussi, alors ici, là. Il y a fait comment là. Maintenant, il y a comment pour rentrer. Bon. Ne sortez pas, hein, je vous dis. Ceux qui sont sans-papiers là, il y a. Tu vois, il y a un mauvais vent là, il y a un vent bizarre là. Quand c'est plus le matin là, on contrôle là. Je vois comment on est en train de contrôler les gens qui passent là. Donc, méfiez-vous, c'est sûr qu'il y a des terroristes en France. Parce que, avec ce qui se passe là, avec Poutine et tout ça, méfiez-vous, ne sortez pas. C'est sans papier, hein. Moi, je ne parle pas des gens comme moi, j'ai des papiers. Obtenir, ça veut dire quoi? Tu dis que obtenir quoi? J'ai des problèmes, mes soucis me font mal au pied. J'ai obtenu ce que je voulais, ce que j'allais chercher. Oui, mais je ne vous dis pas. Je veux garder ça pour moi. Je veux vous dire des secrets, je ne donne, donne pas aux gens. Je veux dire aux miens maintenant là. Je ne vous dis pas. C'est ce que je vous dis. En tant que je suis entré à l'ambassade, on est venu me voir dehors. Hein. Madame, pardon. J'allais boire le vin jusqu'à. Hein? C'est pas à quel âge ils vont venir. Ça, c'est plus. Mon bus, c'est 244. Là, ils ont déjà arrangé tout. C'est verdoyant, c'est beau. Au moins, je sais en quoi m'attenir. Vous comprenez, non? Non, je ne veux plus rester, je suis plus resté comme vous là. Allez sur Internet. Il n'y a pas tout sur Internet, hein? Il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir sur Internet. Allez se déplacer, vous allez un peu sur place. C'est vrai qu'il faut quand même prendre rendez-vous sur Internet, oui. Mais là, c'est une petite chose là que m'attend. Mais je ne vous parle pas. Si vous ne voyez pas l'argent pour le Dagobert, je ne vous parle pas. Les bisous de la gloire glorieuse. C'est sorti le matin à 8h. On va se tuer ici à midi. Et à fini de faire ce que je suis allé faire. Là, c'est le beau quartier des riches aussi ici. On appelle ici la Neyi. Vous voyez comment c'est arrangé, Neyi. Il y a là. Ici, il y a les dos, dis donc. Je crois qu'il y a M6 qui est quelque part là, Neyi, là. Et moi, j'habitais alors ici, derrière là. 139 rue d'Amanonville. À Amanonville, tapez. J'habitais ici, là, derrière là-bas.
Et l'autre côté là-bas, j'habitais à la rue Mon, comment on appelle ça, Montée Vidéo, à la 16e. Hein? Il faut que tu ailles sur place. Parce que j'ai compris certaines choses là-bas que vous ne savez même pas, je ne vous dis pas. Oui. J'ai mes gars là-bas, quand les gars m'ont vu. N'allez jamais sur Internet. Internet. Il faudrait voir remplir là-bas les ngues. Remplir l'ambassade là-bas. C'est vrai que tu pars là-bas sans rendez-vous, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres choses que tu peux obtenir, les papiers. Il y a une demande beaucoup de petits papiers. Hein? Tu peux avec 500 euros, tu rentres dans. Tu rentres primé. Hein? C'est ce qu'on ne vous dit pas. Hmm? Et ils savent. Les gens là savent, mais ils ne vous disent pas. Moi, je m'assois pour vous dire, je ne vous dis rien. Il faut toujours aller sur place. Parce que tu crois que tu vas payer là. C'est le jour alors qu'on dit que viens prendre le passeport que tu, le problème commence. Ou bien on dit que viens te voir pour les photos. Le problème commence que non, madame, vous savez que vous avez encore 75 euros à payer. Vous savez qu'il y a un petit 10 euros qui sort, 5 euros qui sort, 20 euros qui sort. Quand c'est facile, vous payez. Mais eux aussi, ils veulent quelque chose pour boire la pierre à côté. Être malade ou quoi. Vous ignorez les Camerounais, comment les Camerounais sont. Hein? Vous ignorez quoi. Chez nous, c'est un cap. Chez nous, c'est un cap. Tu n'as pas un cap, tu n'es rien, même ici en France. Ouais. Donc, c'est pour ça alors que moi, je suis parti à l'ambassade pour me renseigner, pour voir ce qui se passe réellement. Et j'ai vu mon ami là-bas, il m'a expliqué que non. Hein? Je vous ai mis le renouvellement là, je vous ai mis ça sur Internet. Hein? Que vous allez voir, vous prenez rendez-vous, vous payez avec la carte Visa Mastercard. Donc si tu as l'électron comme moi, tu ne peux pas payer. Électron. Donc, voilà. Il faut qu'on vous dise que c'est Mastercard qu'il faut là-bas. Hein? Mastercard, ce n'est pas les électrons, les machins là. Donc, il faut chercher une personne qui a une bonne carte. Oui. Donc, pour moi, c'est mieux toujours d'aller vous renseigner. Parce que là, je suis mieux renseigné. Voilà. Donc, voilà. Et pour vous dire une chose, ça recommence au mois de septembre. Hein? Septembre, octobre, parce que là, c'est fermé. Donc, ça va se fermer là. Ils vont aussi aller en vacances. Donc, moi, je suis quand même allé vous renseigner. Non, mais vous pouvez quand même déjà prendre rendez-vous et vous payer en ligne. Avec la Mastercard. Pas, vous ne payez pas avec les pauvres cartes, là, les électrons, après ça, ça, ça. Mais vous voyez, Dieu, voilà. Donc, nous aussi, on est au numérique. Le Cameroun a changé. C'est la nouvelle technologie. Je suis même parti, mes chaussures sont trouées là-bas en bas. Mes chaussures sont trouées. J'ai tellement marché que mes vieilles chaussures se sont mortes aujourd'hui. Si vous m'en direz de mes chaussures, vous allez jusqu'à. Parce que si vous prenez le derrière de mes chaussures, mes chaussures, c'est la lame. Non, was. Tchic, 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 ha. C'est la lame. Le prix à roulement, oui. Non, je suis parti pour vous, non. Le vote d'une influenceuse que je suis. Le gosse d'état que je suis, je m'en fous des gens qui sont pas influencés, c'est leur problème. C'est pour montrer les problèmes de société, les problèmes que. Parce que je vais vous dire ça après, quand vous d'abord, vous m'envoyez d'abord les Dagobert, je vous dis tout. S'il n'y a pas de Dagobert, il n'y a rien. J'ai tellement marché que mes chaussures sont trouées en bas. Si. On met le Derrick. Je vois mes chaussures en bas. J'ai tellement. Ce sont les vieilles chaussures, les chaussures sont mobs. Attends, si vous montrez mes chaussures, non. Non, attends, je vous montre mes chaussures. Le pied en bas de mes chaussures, maman. Je vais vous montrer en bas de mes chaussures. Vous allez rire jusqu'à. Eh bien, Warriors. Non, ce n'est même pas ça. Maman, je ne suis pas ce qu'il y a le plus aujourd'hui pour nous. Hein. Maman. Capture d'écran, capture d'écran.
capture des clans, j'enlève ça. Il faut porter bien comment j'enlève. Capture des clans. Capture des clans. Les vieilles chaussures, la même chose, elles tellement marché que les chaussures ont dit que le tout, si on s'arrête là, on ne continue plus avec toi. Il a fait capture d'écran. Vous avez fait capture d'écran. Attendez, là c'est encore petit. Et les deux pieds. Les deux pieds, attendez, mais capture d'écran, capture d'écran. Attends. C'est juste, regardez. Hé hey. Attends. Comme j'ai pensé ça depuis des années, aujourd'hui ça a dit que on a marre de toi. Ah, il y a des bus qui arrivent. Capture l'écran. On va faire la capture d'écran. Voilà. Oh, c'est... Là, je... Non, je vais encore porter ça. Je vais encore porter ça quand même. Oh, ça me fait mal. Regardez. Je suis la veuve joyeuse. La veuve joyeuse. Aidez-moi, non, je viens en France. Et voilà mes chaussures que je porte. Hum? Regardez, je suis la veuve joyeuse. Voilà. C'est les gens comme moi qui font aider. Hein? Vous ne m'aidez pas. Comment quelqu'un peut vivre en France avec des chaussures pourries? Et après, vous moquez de moi que je suis pauvre. Et comment je cache ma pauvreté? Moi, voici en plein Paris. Avec des chaussures pauvres aux pieds. Au lieu que vous m'aidez, c'est pour payer les nouvelles chaussures. C'est seulement que, oh, la misère pour la tuer si tu vois ces chaussures. Ma ça, on porte après la qualité si. Maman, j'ai porté ça demandant, c'était tout neuf. Maman. Il y a les gens qui attendent là-bas. Regarde le nombre de gens qui attendent. Et ils sont là. Voir des bus là-bas. Ils savent que les gens ils attendent. Ils sont là, ils fument la cigarette. Maman. Mais il faut que j'aille me mettre là-bas devant. Je me mets que devant. Non, je ne vais pas mettre la poubelle. Non, j'ai tellement porté la chaussure que... Oh, en plus, voilà. C'est une très belle chaussure. Hein. Regarde, c'est encore bien neuf ici, là. Vous voyez? Ce n'est pas décollé ici. Ce n'est pas décollé, mais c'est en bas que c'est décollé. Maman, il y a trop de monde. Comme il y a trop de monde, je me mets devant. Il faut que je trouve une bonne place. Il y a plein de monde. Poudou mato, poudou mato, pam pam pam, poudou mato, pam pam pam. Maman, les gens viennent. Ils savent qu'il y a du monde comme ça. Ils sont là-bas, ils ne viennent pas. Les cœurs pour la veuve, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Les cœurs pour la veuve. Les cœurs pour la veuve. Personne n'est avant moi. Ah, il est là. Ah, maman, on va arriver. Maman. Hey. Mm-hmm. Je m'assois même ici. Et depuis le matin là, j'ai mal aux pieds et j'ai faim. Oui.
Et il y a un nom de personne. Il n'y a même plus de place. Hein. Pardon, non, dis donc. Si on a posé pour les côtés, il a un peu. Normalement le matin. Je devais y rentrer chez moi depuis, hein. Ben oui, depuis. Prenez les chaussures, là, vous allez mettre, là, vous allez m'insulter avec. Oui. J'ai tellement porté la chaussure que j'ai tellement aimé ça. Mais je sentais quand même que ça allait me blesser les chaussures. Elles vont alors prendre, aller placer là-bas au marché public. Oui, je porte ça. C'est bien. Mais moi, je marche à pied. Payez alors, cotisez pour mes chaussures, vous payez mes chaussures, vous m'envoyez. Payer pour mes chaussures alors. Moi, j'ai dit, mais oui, quand quelqu'un est pauvre, on doit l'aider, non? C'est votre. Les gens se sont encore là. Maintenant, alors, voilà, vous voyez, ils contrôlent. Vous voyez, non? Les policiers là, ils sont là, ils contrôlent. On ne passe même pas là où il faut passer, parce que là-bas c'est autre chose. Donc on passe ailleurs. Dans ma voiture privée. Oh, il y a une fille qui m'a offert des jeux, qui a dit qu'elle allait me donner. Et où j'enlève, elle est où. Comme ça, je vais à la maison, je mange, je dors, je me sors. Parce que je ne peux pas durer de voir mes chaussures comme ça. Et j'ai laissé mon argent à la maison, je ne sais pas si j'avais l'argent. Vous voyez. Et parle d'acclimatation. Et je vais amener Namango ici. Et hey, Namango et moi, hey. Les deux, ma petite fille a grandi. Hey. La fierté de la bourgeoisie. Un bolon. Non, vraiment, un bolon, le poids est de partager le direct. Oui, il n'y a pas un bolon, il faut le partager. Il n'y a pas de jay. Madame Clemenceau, vous en voyez, l'ornement. Vous en voyez, Akon. Donc, vous avez un truc d'Akon. Donc, voilà le musée Louis Vuitton. Le musée Louis Vuitton. Voilà le musée Louis Vuitton là-bas. Donc, Madame Clemenceau, appelle-moi. Et tu dis à Marcel de m'appeler parce que moi, je ne peux pas vous avoir parce que mon téléphone, j'avais mis ça dans. Je n'avais pas mis dans la puce, j'avais mis dans le téléphone. Et c'est le téléphone là qui est malade. Donc, je n'ai plus vos nouvelles, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, mon nouveau numéro de WhatsApp, c'est 07 53 53 91 98. Oui. Donc 07 53 53 91 98. Ah bah c'est bon. Hein. C'est bien quoi
les écritures ici. Ah, je monte la main là. Ah. Je vais venir ici. C'est là le petit site que je vais venir avec ma petite fille. Parce que je vais l'amener là, on va faire un petit camping ici dans les bois. On va aller pique-niquer. Non, Max, c'est un peu ici qu'on passe. C'est un peu ici, on n'a pas fait un jardin d'acclimatation. On passe de l'autre côté. Là où on passe ailleurs. Hein. On n'a jamais passé ici. Ici, on a un pays. Donc, c'est ce qu'on appelle le stade. Quand tu me parles, tout le monde est pareil. On t'a dit que je mets les corses aux corses, comme tu mets là. Toi, tu mets les chaussures de pute. Pour aller dans les soirées avec, parce qu'il n'y a que ça qui te met pas la hauteur. J'ai besoin de m'habiller comme ça. Tu me cherches des problèmes par rapport à quoi? Tu es qui? Tu es une chine là des Bamileke, j'ai dit ça. Je n'ai pas de ligne, il n'y a que les Bamileke qui t'aiment. Baby? Hein? Ton premier fils noir qui est au Cameroun là-bas, tu te tabasses sur les joues là, tu n'es pas au courant. Hein? Vraiment une chienne comme ça. Tu es allé au dé de son zone, j'ai un père, on t'a chassé là-bas au dé, parce que c'est ton père. Il te baisait. Il m'a mané. Vous avez des histoires bizarres. Hein? Tout le monde n'est pas pareil. Donc tu vas me suivre autant que tu veux. Regarde là où tu es. Quand vous avez compris qu'à Facebook, maintenant, quand tu avais des Bamileke, c'est là où on vous met en haut. C'est là qu'il y avait du monde. Moi, je n'ai pas besoin de t'avoir des Bamileke. Je n'ai pas besoin d'être avec eux pour qu'on me met en haut. Je dois m'affirmer. Les Bamileke doivent me respecter. Je dois respecter les. Les Bamileke me respectent, je les respecte. Quoi? Vous payez la bouche des Bamileke pour que les Bamileke me respectent. Vous faites des poules pour moi. Voilà vos pages. Toi, c'est la chaîne ici. On a parlé de toi. Si je ne venais pas avec toi, tu m'as sagé après que tu as deuil. Et tout, comme tout le monde causait souvent. Hein? Est-ce que c'est moi qui avais dit, voilà, tu peux parler devant moi. Et dans ce stade-là, tu peux parler devant moi. Sors, je vais venir t'arrêter la bagarre à l'île là-bas. Mais cette bagarre, une vieille femme contre une vieille grosse. Hein? Mmh? Bah, tu as dit, t'as tabassé devant tout le monde là-bas. Mais moi, c'est passé chez moi. Mmh? Elle m'a mis sur la tête. Il n'y a que ça. Est-ce qu'elle a montré ce que moi je lui ai fait? Elle ne peut pas encore m'attaquer. C'est ce que je souhaite. Mais toi, tu tapes quand même. Vous. Attends, je vais sur la vidéo là aujourd'hui. Dès que vous n'êtes pas au courant de pour le chaussé à Facebook, je vais vous mettre la vidéo là où tu les tabasses. Elle tabasse la fille est tourne. Attends, je vais mettre la vidéo. Je vais la vidéo là où le lot est lave correctement et bien. Mais tu es avec eux, reste avec eux, j'ai un problème avec toi. Je vais te dire à ta soeur que tu, les gens que tu es avec eux là, les gens à toi, il y a du mal. Comment aussi je suis avec eux, mais moi j'ai quand même la force. J'ai peur de toi. Si tu veux, je viens à l'île. René Stanley, tu veux, je viens à l'île. N'est-ce pas, tu connais chez moi hein? Viens chez moi, non. Là, moi, une chienne, une pauvre merde comme toi, tu parles à qui? Hein? Vous êtes obligé de vous rallier. Pourquoi on vous considère? Moi, je me rallie avec personne. Tu entends, non? Les Bamileke sont des gens comme moi. Et comme le petit qui se rallie là, le jour là, demain, maman, l'homme Bamileke vient commenter. Maman, c'est du n'importe quoi. Il faut le signaler, monsieur. Voilà, vous voyez là où on passe la nuit, il y a des problèmes. Signalez-le au moins, justement. C'est la communication, en fait. Je suis désolé.
pas le choix, monsieur. Bah, si, parce que de Portaillot, ça aurait marché. Et de ici, oui, mais comment nous le dire, justement. Et je sais même pas si vous. Bah, c'est vrai. On aurait pu y rendre plus à ce moment-là. Mais il n'y a pas de bus qui y vont. Ah, il y a quoi? Ah, ouais! C'est le gros rock! Ah, c'est d'ici! Ah, bah, dis donc, c'est eux qui sont là, ils vont faire des trucs ici à Longchamp. C'est un gros rock! C'est pour ça qu'on t'aime tout comme ça? Ah, ouais! Ah, bah, oui, c'est eux! Donc, c'est un gros rock qui font, maman, on a fermé partout pour un gros rock! Le ACDC, vous connaissez? Les ACDC. ACDC. C'est un groupe rock. Ah, c'est eux qui vont. C'est pour ça qu'ils. Ah, bah oui, c'est eux. Ah, ouais. C'est eux là. C'est pour ça qu'on t'aime carrément. Ils t'aiment carrément tout parce que c'est. Ah, ouais, c'est l'été, non? Ils sont venus. Il y a le concert ce soir. Moi, je croyais que c'était pour les Jeux Olympiques. Ah ouais. Putain, c'est chaud, hein? Maman, j'ai pas dormi cette nuit. Ah ouais, le groupe rock là, pourquoi ça au boulot là? Hmm? Elle ne souffre pas parce qu'elle veut que. Moi, le problème, c'est qu'entre elle et moi, on n'a pas la même vie. Oui. Elle me lave pour faire plaisir au Bamileke, c'est tout. Tu vois comment elle veut laver ma soeur pour faire plaisir au Bamileke? C'est moi d'abord. Je n'insulte pas trop dans ma page. Voilà, les voilà. Voilà là. Bah oui. Bah voilà. C'est eux là. C'est pour un groupe rock. C'est un groupe. Bah ouais, attends. Bah oui, c'est un groupe rock. Bah oui, c'est un groupe rock. Allez, voilà. Maman, ça te dit un groupe rock, c'est la qui, maman. Et ACDC, c'est eux. Maman. Voilà les gens ici. Monsieur, je peux voir votre truc. Bien sûr. C'est eux qui sont à route là. C'est eux qui. Non, je veux pas. Mais tu ne veux pas quoi? Je voulais seulement filmer le tout. J'ai filmé, c'est tout. Je veux pas. Non. Je voulais filmer le ACDC, c'est tout. C'est même pas. Votre belle ne m'intéresse pas, monsieur. C'est votre t-shirt qui m'intéresse. Ah, il vous intéresse? Voilà, c'est tout. Ce n'est pas votre gueule qui m'intéresse. Merci. Ah, bah si vous voulez l'acheter, c'est plus cher. Bah, je sais, hein. Ouais. Mais filons, hein. Donc, voilà. Donc, c'est à cause de ça, là. Ce groupe de vieux chinois. C'est acheté en 2015. Ah, bah oui, en 2015, oui. Bah oui. Bon. Ils sont là? Eux-mêmes, ils sont là? Ah, oui, dans les camions? Eux-mêmes, ils sont là? Les. Oui, j'ai vu des maillots, mais eux-mêmes, ils sont là, les chanteurs. Bah ouais. Donc ça pose des vieux chips. Des SIS, des rock, groupe rock, mythique. C'est à cause de que on le ferme tout. Vraiment, j'ai pitié de la France. À cause des vieux anglais. Mais c'est pas là. Ok. Ah maman. Ah oui, c'est l'été, non? Le tout là a recommencé. Maman. Je suis morte. Je n'ai même pas dormi cette nuit. Maman, tous ceux qui font tout le bonheur, que depuis le matin, je ne suis pas sorti. Maman. Tu veux vraiment que je rentre chez moi, par exemple. Surtout qu'il y avait plus de monde dans le. Plus de jeunes dans le bus tout à l'heure, tout le monde est descendu. Yeah. Angelo, je te permets pas d'insulter, pas laisse-moi l'insulter. Tu entends, non? Tu es une prostituée, tu vas mourir prostituée. Hmm? Ta pauvre mère est partie au dé de son soi-disant mari. Elle n'est pas restée deux jours. Elle est rentrée. Toi, tu es là-bas. Hey, tu connais, vous voulez parler, maman. Hmm? Elle est là, non? Venez installer. Mais oui, mais attends.
toi, Ernest Adélie, disons la vérité, mon Jean, tu m'insultes pourquoi? Toi-même, tu as vu comment je me suis battu ici pour arranger ma cuisine, seul. Comment j'ai acheté mes choses seul. Dès que tu entends parler de moi, tu m'insultes pourquoi? Non, non, attends. Là, on va parler en grande fille. S'il faut qu'on arrange des problèmes, on arrange entre toi et moi. Tu entends, non? Mais parce que là, c'est toi. Tu m'insultes pourquoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je me suis plaint que ma soeur regarde. Hein? Il y a un problème. Tu es avec les filles bambiniques, elles ne t'aiment pas. Elles t'aiment uniquement parce que tu payes les salons dans leur truc. Oui, c'est ton argent, tu payes. Moi, je t'ai fait quoi? J'ai un problème la dernière fois. Il y a une dame qui est venue faire des tchin-tchin chez moi, qui a filmé mes trucs. Elle vient de mettre à Facebook et tout le monde l'a cru. Hein? J'ai fait. Hein? Je t'ai demandé de ne pas l'insulter, c'est pour ça que moi je veux. Ça paraît que c'est mon problème qui me concerne. Tu as vu comment j'ai fait ma peinture ici. Depuis. Même quand je suis venu à ton deuil, j'avais déjà fait ma peinture dans ma cuisine. Et j'ai dit qu'au mois de mai, je veux faire mes choses, j'ai commandé mes choses à Conforama. Jusqu'aujourd'hui, les dieux manquent là-bas. Ils ne m'ont pas livré. Dès que vous apprenez mes choses, tu m'insultes chaque temps. J'apprends que tu m'insultes. Tu m'insultes par rapport à quoi? Non mais oui, papa, il faut quand même parler. Ou t'as ma soutien. Hein? Tu vois, les filles là vont t'aider. Elles t'aiment parce que tu as fait ceci. Tu étais sûr que tu baises avec ton père qui est mort là. Après moi, c'était pas ton père. Qui t'a pris, qui a pris ta maman est venue avec toi et ton frère en mariage chez le Bassa là. Et que tu couchais avec lui. Ça s'est dit le jour là, le jour de ton deuil. Tu crois que tous les gens avec qui je bavardais là, je connais pas ton histoire de famille, tout le monde n'a jamais parlé. Tu parles comme quoi je n'avais pas d'argent, j'avais des espèces. Tu es là. J'avais des espèces, mais je n'avais pas la carte de pour payer mon train pour rentrer. Parce que j'avais un grand rendez-vous ce soir-là. Tu peux demander à Lolo. Je suis rentré, j'ai dormi chez ton ami là, avec Lolo. Lolo était étonné que je paye, j'ai payé. C'est Lolo qui m'a payé Biabiaka avec sa carte. Je ne sais pas comment elle a fait. Mais sa carte et je lui ai donné 20 euros. Toi, tu m'insultes, tu ne connais pas. Tu vois que moi, je vais me déplacer en partant chez toi. Ma soeur, j'ai payé, j'ai quand même pris première classe. J'ai quand même pris première classe en venant chez toi. En rentrant, maintenant, j'étais là sous, j'étais déboussolé, j'étais dans mes états parce que j'avais un grand rendez-vous. Et oh, j'ai failli dormir à la gare parce que je n'avais pas, j'avais de l'argent. Tu que j'ai passé mon temps à commander l'argent. J'ai commandé que l'argent. À qui? C'est normal, non? Si j'ai ma rose, est-ce que ma rose donne une bière? La rose me donne de donner une bière. J'ai commandé quoi? N'est-ce pas c'est moi qui t'ai offert, vous avez offert des choses là-bas? J'ai offert l'ensemble à Lolo là-bas au marché. Je n'ai pas offert quelque chose à manger à Lolo au marché. Après on allait chez son frère. Oh, tu ne voulais pas aller dormir chez... Tu voulais pas aller dormir. Est-ce que j'ai dormi chez toi? Tu m'as pris l'hôtel, j'avais l'argent, je pouvais payer ma chambre d'hôtel. Hein? Tu peux pas faire comme ça, hein? Je suis venu à ton thé avec un seul cœur. Mais tu me dénigres souvent à un niveau que je ne veux pas. C'est ce que ça s'arrête là, hein? Sinon, tu vas me voir à Lille, hein? Tu me tapes à Lille, hein? Moi, je ne sais pas que tu avais fait avec quelqu'un, hein? Comme tu es d'abord couteau comme moi, tout le monde va se tirer au sol. Je te dis d'abord. Comme tu crois que tu es étonné, tu es étonné, je suis boulot. On va se tirer au sol. Parce que moi ma tête disjoncte, hein? Comme ta tête disjoncte. Donc, tu me lâches. Et je m'excuse devant toi si je t'ai fait quelque chose de mauvais. Je m'excuse. Les gens viennent habiter dans ma maison. Ils font des asticots chez moi. Je ne suis pas là, on m'appelle maintenant ma asticot. Tu es là pour m'enfoncer. C'est quoi? Je te dois quoi? Tu penses que le jour de ton deuil là, si je ne venais pas, les deux filles bambiniques allaient venir. Hein? Lolo est venu parce qu'elle savait que sa soeur est venue. Et sa soeur est venue, quand elle est venue uniquement. Vous venez te faire payer parce qu'on sait que tu vas payer tu fais leur publicité et que tu les aimes. Oui, on t'aime uniquement parce que tu as l'argent. Si tu n'as pas l'argent, on va t'aimer. Hein? Crois du roi. Merci. Hein? Faut pas insulter les gens comme ça. Hein? Tu m'insultes pour rien, je t'ai rien fait. Que m'attendais, je me suis déplacé, laissé ma pauvre maison pour venir aider de ton papa, soi-disant. Elle avait quoi? Donc, tu veux me déplacer pour venir chez toi? Hein? Je ne laisse pas son nom.
Tu me donnes pas son, je donne son nom, chienne. Elan Mbap. C'est ton nom. Elle te connaît d'abord, laisse le nom de faire le cul de ta sale putain de mère, chienne. Hein? Elle, quelqu'un te connaît? Elle te connaît? Hein? Léonie Camien, Cagne. Les Cagnes, ce sont même les qui? Ce sont les Tchinda de l'Ouest. Hein? Nous le même quoi? Bangante, laisse le nom de fleurs. Fleur te connaît? Elle me connaît. Elle te connaît? Je prononce son nom quand j'en ai envie et quand je le veux. C'est un personnage de réseaux sociaux. C'est un dessin animé des réseaux sociaux. Tu as ta nom? Chienne, laisse le nom de fleurs. Elle te connaît? Tu vas lui dire bonjour seulement avec un petit billet. Hein? Tu vas lui dire bonjour avec un billet. Si tu n'as pas de billet, tu ne ris pas chez moi, d'accord? Alors je te bloque. On ne rit pas chez moi. Chien, je te bannis. Comme j'ai pitié de toi. Elle te connaît où? Hein? Elle te connaît où? Dis-moi. Qu'est-ce que le nom de Flore? On parle d'elle ici. Je suis là en train de parler avec une soi-disant ma soeur. Pour dire la vérité, parce que je sais qu'elle est la Renaissance de Lille. Renaissance de Lille. Je vais quitter chez moi, je laisser tout. Tu ne m'as pas invité. Est-ce qu'on invite quelqu'un au deuil? Tu dis que tu n'es pas bêti. Tu es alors quoi? Tu es quoi? Comme tu n'es pas bêti. Tu es étonné. Hein? Donc les étonnes sont à part. Les bêtises sont à part. Les gens sont à part. Donc attention à toi. Ne m'insulte plus. Parce que si ça continue, je vais t'arrêter. C'est moi qui vais venir te rester la bagarre. Donc, peut-être que tu me méprises. Hein? C'est quoi? Tu valorises les bamiyaka plus que ta soeur? Est-ce qu'on invite quelqu'un au deuil? Je suis venu à ton deuil parce qu'il avait pitié. J'ai dit que non, c'est ma soeur. Elle est souvent venue chez moi. C'est pour que je suis venu chez toi. Tu l'as même pas invité. On invite les gens au deuil. Continue. Les bêtises des réseaux sociaux se continuent. Moi, les bambiniki, on est en paix. Il parlait sa part, je parlais ma part. Mais je ne peux même pas. Je ne peux pas insulter un bêtis. Hein? Comme l'on dit souvent que je ne peux pas traverser le sang d'un bambiniki pour aller aider le bêtis. Je ne peux pas traverser le sang d'un bêtis sans défendre le bêtis. Je défends le bêtis d'abord. Le quoi d'abord? Je suis quoi? Je suis bêtis en même temps. Je demande quoi d'abord et le bambiniki après. C'est ce que je disais, non? Bami Power, non? Vous êtes là. Vous accrochez derrière leur sale fesse comme si ça sentait d'abord bon là-bas. Mbap. Hein? Moi j'ai des amis. Moi j'ai des amis bambiniki, hein? Mais tout le monde se met à sa place. On ne peut pas parler. Toi, tu viens déposer ta soeur. Je suis venu à ton deuil, j'étais là. J'étais là. J'étais là pour toi, ma soeur. Une personne dont je m'en vais en voyage. Je ne sais pas comment faire pour rentrer. Hein. Elle est venue au voyage. Elle n'avait même pas l'argent. Insulte-moi autant que tu veux. Mais la honte est pour toi. Je n'ai jamais entendu qu'on invite quelqu'un au deuil. Et si au deuil, c'est que hein, la personne qui va partir au deuil part aussi. C'est ça. Ça fait toujours plaisir quand on est en deuil de voir les visages, même les mauvais visages. Je ne savais pas que je venais à ton deuil, parce que tu m'as pas invité au deuil. Comme je suis invité seul. Moi, je me battre pour mes congénères, mais vous ne savez pas me battre pour moi. Parce que je ne vous représente rien. Mais moi, je n'insulterai jamais. Tu vois que le lope insulté sa soeur Bamileke au profit. Dans quoi? Jamais. Elle ne peut pas le faire. Elle le faisait avant. Parce que les bambiniki ne s'entendaient pas avec les tchans. Dans leur chose, parce qu'on avait dit, les bambiniki sont fâchés. Donc pourquoi? Parce qu'elle avait trahi qu'elle font la prostitution ici. C'est elle qui ont les camions, c'est elle qui vend la drogue. L'histoire est sortie ici, non? C'est comme ça alors qu'ils se sont fâchés entre eux là-bas. Maintenant qu'ils sont alors unis, tu crois que. Hein? Tu vois que le bambiniki va insulter sa soeur plus que non. Le bambiniki d'abord c'est lui. Mais toi ma propre soeur, j'étais à ton deuil.
Hein? On allait au marché, j'ai payé. Au marché. J'ai même payé la bière à pipi. Et je dis que je n'avais pas l'argent, moi aussi. Vous avez le dénigrement que vous faites envers moi là. Hein? C'est Dieu qui a problème de ça. Mais au fur et à mesure que vous me dénigrez. C'est quand même marrant, hein? Vous voyez? Je recommence à me lever le matin, je sors, je me maquille. Avant, j'avais laissé ça pendant des années. Je me remets petit à petit de ma vie. J'étais traumatisée, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas su, vous ne comprenez pas. Numéro 5, merci. Il fait très chaud, hein, dépêchez-vous. Oh. Maintenant, pour moi, c'est les bêtises d'abord, c'est les camps d'abord, c'est le quoi d'abord. Moi, je vous dis, si vous voulez, ne m'aimez plus. Moi, je dis la vérité. C'est quoi? On vous respecte, on vous fait tout, vous prenez déjà tout là, vous prenez déjà tout, les postes des anciens, hein? Par rapport à quoi? Vous êtes bien? Hein? Nous, on n'est rien, vous, on ne sera jamais rien. Mais nous, on vous aime. On vous aime. Mais vous, vous êtes là pour vous monter tout en haut. Moi, aucun babnieke ne monte sur ma tête. C'est hors de question. Tu m'aimes, je t'aime. Comme la femme de Mbappé dit que égalité. Fait chaud comme ça que tu vois des choses bizarres. Hein? Reprends son temps, c'est maintenant qu'elle vient diviser les poissons frais là-bas et les ça. Je ne suis pas tribaliste. Mais c'est vous qui allez faire que les gens commencent à être dangereux, tribalistes. Ben oui, c'est moi qui. Non, mais, moi, je veux que mon Dieu m'a dit que je te mets bien. Ou bien, c'est ma sujet. À sujet. Donc, tu me manques de respect au profit de qui? Voilà, des commandes, là-bas, que les femmes, les bamiers, que ce chaman n'a pas de commandes. Hein? Franchement. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est grave, hein? Bonjour. J'en ai d'autres. C'est sûr. Hein? Tu t'es coiffé, tu es tout beau, hein? Eh ben oui. J'ai remarqué quand même. Hein? Bonjour. Et Damien, il sourit. Eh, hey, même les Chinois ont fermé. Maman est. On te café les Chinois ici là. Nicolas, le bon vin. Vous voyez. Maman, les Chinois sont là en vacances. Oh yango, 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 yanga. Donc les Chinois sont pas en vacances. Ouh. Capture des crans. Les Chinois partent aussi en vacances. Yeah. Bébé. Parce que l'année dernière, ils sont pas là en vacances. Hein. Ah, hey, hey, c'est chaud. Non, mais je sais que vous allez m'insulter. Non. Je ne peux pas traverser. Pipi qui est lavé les boulots depuis des années, qui baise avec les boulots, qui fait ceci, mais elle dit qu'elle ne peut pas avoir le sang d'un bamiéké. Entre choisir un bamiéké et le bêtis, elle choisit d'avoir son propre sang de bamiéké. Elle parle de ça, vous ne comprenez pas. Moi aussi, c'est comme ça. On ne traverse pas le sang de Betty ou les quoi. Je suis une quoi. Fier de l'être.
Je suis une bêtise, je suis une écran, fier de l'être. C'est comme ça. Tout le monde va discuter sa timidité. Ça veut dire quoi? Hein? Les gens viennent vous traumatiser dans les réseaux sociaux. Hein? Les Bamiyeke sont des minorités au Cameroun. Mais ils ont appris tout, ils discutent tout. Même les Sanga. Même les Misunga, les Bamiyeke font les Misunga. L'Ondolé, les Bamiyeke dans l'Ondolé. Les Sanga. Même les Pommes sans sel, ils font tout. Ils ne sont pas dans quel domaine. Mais vous aussi allez concurrencer avec eux. Non. Il y a certains qui sont des femmes de la gueule. Moi, même un cuit, je veux commencer à faire un cuit. Parce que le cuit, c'est Bamiyeke. Et le tarot, oui. Hein? Moi-même, j'ai dit que je veux commencer à faire le tarot chez moi. Je veux commencer à piler le tarot chez moi. Je commence à piler le tarot. Que c'est quoi? C'est comme les autres. S'ils sont pas opportunistes, ils sont opportunistes, oui. Mais ce sont des gens qui sont dans tous les domaines. Vous ne voyez pas ça. Est-ce que c'est nous qui avons trahi que hein? Les Bamiyeke font la possession. Les Bamiyeke mentent qu'elles viennent payer les habits ici, alors qu'elles viennent faire la possession. C'est nous. C'est Gunkam qui a sorti ça. Que vous les voyez. Elle a lavé ce pauvre Bamiyeke ici-là. Parce qu'à l'époque-là, les Bamiyeke aimaient trop Lolo quand Lolo l'insultait. Elle ne faisait pas quoi. Est-ce que c'est les quoi qui vous ont trahi les Bamiyeke? Hein? Oh, elles sont dans les camions, elles sont ceci, elles vendent la drogue, elles se prostituent, elles n'ont pas de papiers. Qui a dit ça ici là? C'est pas votre propre soeur Bamiyeke. Mais arrêtez! Hein? Moi je suis une quoi? Hein? Moi je ne trahis pas les gens, mais ces gens qui me trahissent. Quand ça ne veut pas, je sors. Hein? Vous ne comprenez rien, je veux. Les remembers vont sortir. D'abord, on commence les remembers ce soir. Vous connaissez moi, ma vidéo là, les remembers. Oui, Marco, je viens. Je suis en bas de chez toi. Moi, voici. En bas, je suis sous l'arbre. Moi, voici. Bah, pourquoi tu n'es pas venu? Bah, tu vas pas, je n'ai pas vu le message. Mais depuis, tu n'as même pas réagi. Ah ouais? Et c'est fini? C'est samedi et dimanche. Bah, je viens samedi, alors on y va. Oui. Tous les deux. Hein? Oui. Samedi vers quelle heure? Non, donne-moi ma Namgwan. Non, attends, te lance ça, c'est dans le congélateur. Non, lance-moi ça. Mais ça va s'éclabousser, hein? Mais c'est ça. Je monte. Il y a bois là-bas? Il y a bois. Ah, dis donc, dépêche-toi, demande le code, dis donc. Hein? Ah. Demande. Ouvre la porte. C'est ouvert. C'est ma. Ouvre la deuxième porte. C'est ma voisine, voilà. Mais comme je vais chez elle, je suis obligé de couper le téléphone. Ouvre donc. Ah, c'est ouvert. C'est le troisième étage. Hein? Troisième étage. On vient ma sortie, elle me donne ça. Elle me donne souvent des habits. Hein? Des habits, des trucs. Maman. C'est le même humain que vous voyez dans ce pareil. On était là. C'est pareil. Tu vois, non? Les mêmes peintures. Non, j'ai donné mon goût. Coucou. Deuxième étage. Je vous laisse. Donc, reste avec lui. Je te laisse pour te dire que tu es ma soeur. Si j'ai fait quelque chose de mauvais, en plein Facebook. Excuse-moi, pardonne-moi. Je ne peux pas traverser ton sang. Qui dit étonne, dit bêtise. Je suis venu chez toi parce que je sais que je vois comment tu pleurais. On n'invite pas quelqu'un au deuil. Même si aujourd'hui j'ai aidé, ma soeur, tu as entendu si j'ai aidé aujourd'hui, les gens vont venir.
Même les ennemis, si elles veulent, elles viennent. Tu vois, non? Ne dis pas que tu m'as pas invité à ton deuil. On n'invite pas quelqu'un au deuil. Je suis venu parce que tu étais ma personne. Marco! Non, tu es au quatrième. Donne-moi alors que je pars chez moi, pardon. Je monte, j'ai déjà fait chez toi. Ok. Je vous laisse.